Maître Réjeanne Collat, qui vient d'être nommée à la Cour supérieure, vous êtes donc la première femme juge, c'est bien ça? C'est exactement ça, au Canada. Au Canada, oui. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, cette nomination va apporter beaucoup de changements? Du côté évidemment, professionnel? Du côté professionnel, j'abandonnerai mon bureau, évidemment. Et du côté de la famille, au point de vue des heures, je pense que ça ne changera pas beaucoup. Quoique je serai peut-être un peu plus libre pour rendre les jugements à la maison ou travailler sur des dossiers à la maison. Mm-hmm. En quoi justement va consister votre travail? Je pense que je serai comme tous les juges, je ferai un peu de tout. Il y a évidemment le divorce, la séparation de corps et de biens, les actions en dommages de plus de 1 000 $, les rapports entre locataires et locateurs, les actions pour les propriétés, un tas de choses comme ça. Mais c'est un emploi à plein temps, en fait. Ah oui, évidemment. Avec beaucoup de responsabilités. Oui, c'est une très lourde responsabilité. Madame le juge, merci beaucoup, beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui.